Bonjour. Alors évidemment, nous allons parler du conflit en Ukraine. Mais j'aimerais vous soumettre une info qui est basée sur une revendication. Vous savez, les revendications, bon. Sur une revendication d'attentat. C'est une info qui me paraît complètement invraisemblable. Écoutez. Oui, il y a donc bien, de toute évidence, une opposition à Vladimir Poutine en Russie, une opposition qui a pris les armes, une opposition déterminée. On évoque beaucoup la passivité des Russes, on évoque beaucoup leur endoctrinement, ou une forme d'apathie, ou une forme de fatalisme. Eh bien, on apprend qu'il y a une opposition armée clandestine en Russie. Donc, à travers cette fameuse, enfin, cette mystérieuse plutôt, légion, voici les indispensables avec Justine Frécy. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, que s'est-il passé sur cette voie ferrée? Eh bien, ça s'est passé en Russie, près de Rostov-sur-le-Don hier. Regardez, ça va très vite. On voit ce chemin de fer, on est en forêt dans la nuit et une explosion sur les rails. Ça peut paraître une petite action, mais ce lieu est stratégique. L'armée russe utilise ce chemin de fer pour transporter énormément de matériel militaire, des armes, des camions, des munitions pour ravitailler l'armée russe en Ukraine. C'est l'un des gros axes de passage. Alors, qui est derrière ce coup d'éclat? Eh bien, il a été mené par un groupe d'opposants russes armés que l'on découvre d'ailleurs à cette occasion, la Légion Liberté pour la Russie. Eh bien, c'est un groupe d'opposants russes armés qui ont choisi donc une forme de lutte armée. Ils s'opposent à Vladimir Poutine, dont ils évoquent le régime dictatorial. Ils se battent, je cite, pour une nouvelle Russie et ils rejettent en particulier la guerre d'invasion de l'Ukraine. Écoutez justement cet ancien soldat de l'armée russe. Il a déserté pour rejoindre la Légion Liberté pour la Russie. Так они сюда пришли. Они убивают. Здесь, в этой ситуации, они враги. Они, я, например, я был в Буче, я был в Ирпене, я видел все, что они наделали. Oui, parce qu'il faut indiquer, mais vous allez nous donner plus de précision, si cet homme parle à visage découvert, c'est parce que cette légion a deux branches, d'une certaine manière, dont une qui a pignon sur rue, si on peut le dire comme ça, en Ukraine. Alors. Le porte-parole de l'ambassade de Russie est l'invité de Radio J. Alexandre Makogonov, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de la Russie, de l'ambassade de Russie à Paris. Emmanuel Macron a appelé hier, lors d'un sommet européen, à une trêve des bombardements et des attaques de drones en Ukraine, qu'il assimile pour partie d'entre elles à des crimes de guerre. Sur le terrain, des frappes se poursuivaient ce matin. Kiev évoque une soixantaine de missiles russes tirés sur l'ensemble de son territoire, avec un bilan de 10 morts. Dans la région de Louhansk, par ailleurs, dans les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine, les autorités russes locales annoncent la mort de 8 personnes dans des frappes ukrainiennes. Est-ce que Moscou est prêt à une trêve pendant l'hiver, comme le réclame Emmanuel Macron? Mais ça, c'est une très bonne idée, la trêve, cesser le feu, l'arrêt total des hostilités, la paix, c'est vraiment tout ça, c'est de très bonnes idées. Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron appelle à la paix, à la trêve, mais le régime de Zelensky, alors, qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet? Rien, ils ne proposent rien, ils ne veulent rien, ils veulent continuer à chérir cet espoir, cette idée de régler ce conflit par la voie militaire. Donc là, comment aussi la Russie peut envisager la trêve sans même une moindre initiative, sans une moindre proposition de la part du régime de Kiev? Quelles sont les conditions posées par la Russie pour qu'une trêve puisse être mise en place? Mais il n'y a pas de conditions du côté russe. En principe, le président Poutine, le 30 septembre, lorsqu'il était au Kremlin, lors de son allocution au Kremlin, il a incité le régime de Kiev à revenir à la table de négociation. C'était ça l'idée, c'est l'idée principale. La Russie se prononce toujours pour la solution pacifique de ce conflit. Alors Emmanuel Macron a également indiqué vouloir appeler à ce sujet son homologue russe Vladimir Poutine. Le président français, qui appelait lors d'un récent voyage aux États-Unis à donner des garanties de sécurité à la Russie, état qu'il ne fallait pas humilier. C'est une autre déclaration du président de la République. Alexandre Makogonov, est-ce que la France peut jouer, selon Moscou, un rôle de médiateur en cas d'ouverture de négociations entre Kiev et Moscou? Vous savez, pour jouer un rôle d'un médiateur dans le cadre de négociations, il faut d'abord que ces négociations commencent. Et là, justement, peut-être dans ce contexte, la France pourrait jouer un rôle, notamment en incitant Kiev à revenir à la table de négociation et en arrêtant en même temps à fournir les armes en Ukraine pour que le régime de Kiev
continue le conflit. La France plus que la Turquie, par exemple, vous semble un médiateur possible ? Vous savez, depuis le début de ce conflit, en février dernier, il y a un certain nombre d'acteurs internationaux qui se proposent en tant que médiateurs. Donc, ça, à un moment donné, c'était Israël même aussi, c'était le Thaïlande, Bahreïn, la Turquie. Bon, il y avait tout un nombre de pays. Mais la question de médiation, c'est pas la question tellement aiguë. C'est plutôt la question de retour à la table de négociation avant tout. Alors justement, selon les autorités ukrainiennes, sur un autre sous-dossier de ce conflit, 12 missiles ont touché la ville de Zaporijjia depuis le début de la journée, une ville qui concentre évidemment l'attention particulière de la communauté internationale. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que des négociations pourraient s'ouvrir prochainement à Moscou avec l'AIEA en vue de la création d'une zone de protection autour de la centrale nucléaire. Quelles sont là aussi les conditions que vous poserez ? Ce que je peux vous dire, c'est que le contact avec l'AIEA continue. Donc là, je ne peux pas vous dévoiler le contenu de ces contacts parce que ça m'échappe. Donc là, je vous avoue, ça se fait à huis clos, en quelque sorte. Mais la condition préalable et la condition principale pour garantir ce périmètre de sécurité, c'est ce que l'Ukraine, le régime de Kiev, doit cesser de bombarder cette centrale presque au quotidien. La situation en carte sur la guerre d'Ukraine par Euronews. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les objectifs de Vladimir Poutine n'ont pas changé. Le président russe utilise deux efforts militaires simultanés pour tenter de reprendre le contrôle de l'Ukraine et obtenir des concessions territoriales majeures. Le premier front concerne les poussées offensives actuelles de la Russie dans la région de Donetsk, en particulier autour de Bakhmout et dans la zone de la ville d'Advitivka-Donetsk. Toujours selon le groupe de réflexion américain, Vladimir Poutine aurait donné l'ordre aux troupes russes d'achever la capture de l'ensemble de la région de Donetsk et les offensives russes actuelles s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de cet ordre. Les frappes massives de missiles russes contre les infrastructures ukrainiennes critiques constituent le deuxième effort militaire de la Russie pour contraindre l'Ukraine à se rendre. Mais pour l'instant, ces deux fronts ne parviennent pas à forcer l'Ukraine à négocier ou à offrir des concessions préventives. Vladimir Poutine pourrait donc être en train de créer des conditions d'un troisième effort militaire en préparant une nouvelle offensive contre l'Ukraine durant l'hiver 2023. De multiples sources officielles ukrainiennes et indépendantes bélarusses ont signalé une présence militaire russe croissante au Bélarus depuis octobre dernier. Le Parlement européen qualifie de génocide une grande famine qui a été orchestrée par l'URSS dans la République socialiste d'Ukraine en 1932. The vote is closed. Le Parlement européen qualifie de génocide l'Holodomor, la famine en Ukraine provoquée par les soviétiques dans les années 1930. Ce jeudi, les eurodéputés ont voté à la quasi-unanimité en faveur de cette reconnaissance. L'Ukraine fait campagne depuis des années pour que l'Holodomor soit officiellement reconnu comme un génocide. De son côté, Moscou refuse catégoriquement une telle classification. Thank you. L'Holodomor n'est pas la tragédie d'une ou deux familles. C'est une tentative d'extermination d'une nation entière par le régime soviétique. Les brigades de Staline ont pillé les villages ukrainiens à la recherche des céréales restantes. Elles étaient remplies de haine envers les Ukrainiens, alimentées par la propagande soviétique. Pour l'eurodéputé qui a présenté la motion, il existe des parallèles directs entre les actions de Staline en Ukraine et la guerre actuelle menée par le président russe. C'était une nouvelle tentative de rayer de la carte la notion d'Ukraine. Ce que les autorités tsaristes ont fait au XIXe siècle en interdisant, par exemple, l'utilisation de la langue ukrainienne et ce que le président Poutine tente de manière flagrante de réaliser aujourd'hui en affamant et en soumettant les Ukrainiens au froid et au manque d'électricité. By starving and subjugating Ukrainians with cold and lack of electricity. Lors de la grande famine de 1932-1933, entre 4 et 8 millions d'Ukrainiens auraient péri. Cette famine s'est déroulée sur fond de collectivisation des terres, orchestrée selon des historiens par Staline, pour réprimer toute velléité nationaliste et indépendantiste de l'Ukraine. L'ancien commandant de l'UCK, l'armée de libération du Kosovo, a été condamné par le TPI.
Pour la première fois, un ancien commandant de l'Ucheka, l'armée de libération du Kosovo, a été reconnu coupable de crimes de guerre par un tribunal spécial de La Haye. Salih Mustafa a été condamné à 26 ans de prison pour meurtre, torture et détention arbitraire de détenus dans une prison de fortune. Il semble y avoir une idée fausse selon laquelle ces accusations ont été portées contre l'armée de libération du Kosovo en tant que telle, ou contre le peuple du Kosovo dans son ensemble. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. C'est le peuple du Kosovo, par l'intermédiaire du Parlement, qui a choisi de créer et d'habiliter cette institution. Salih Mustafa, 50 ans, avait été commandant en 1999 dans un complexe de l'Ucheka où des CRBD albanais accusés de trahison étaient détenus. L'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, est également en attente d'un procès à La Haye, notamment pour meurtre. Il nie toutes les allégations. Nous allons maintenant à Washington, où bon nombre, pas tous, mais bon nombre, de dirigeants africains sont allés voir M. Biden. Un véritable ballet d'avion présidentiel sur la base militaire d'Andrews, près de Washington. Les dirigeants sont venus nombreux pour ce sommet Afrique-USA. Le dernier du genre était sous la présidence Obama. Cette fois, c'est Joe Biden qui veut relancer le partenariat, mot-clé de cette rencontre de 3 jours. La tenue du premier sommet de ce type en 2014 a été un moment décisif pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos nations. Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer des opportunités, j'insiste là-dessus. Et des opportunités, il n'en a pas manqué, la partie américaine multipliant les annonces au fil des ateliers thématiques ou des discours de Joe Biden. Les États-Unis annoncent 55 milliards de dollars dans les 3 ans pour les domaines du numérique, des infrastructures et de la santé. En marge du sommet, le secteur privé américain a prévu des contrats pour 15 milliards de dollars. Ce mercredi, le dîner d'honneur à la Maison-Blanche s'est donc tenu dans une certaine bonne humeur. C'est Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui s'est chargé de répondre. Nous partageons le même état d'esprit. Nous voulons faire avancer notre programme commun avec vous et faire passer notre partenariat au niveau supérieur, dans une approche inclusive, réunissant les gouvernements, le secteur privé, la société civile et la diaspora africaine. Sans la nommer, le président américain veut reprendre la main face à la Chine, toujours plus active en Afrique. Le secrétaire d'État à la Défense a pris moins de précautions. Il a relevé, selon ses mots, son rôle déstabilisateur. Quant à la Russie, toujours selon lui, elle continue d'envoyer des armes à bas prix et des mercenaires à travers le continent. Les Américains ont choisi plutôt l'arme de la séduction. Ce jeudi, dans un dernier discours, Joe Biden en a rajouté. Il s'est prononcé pour une représentation permanente de l'Afrique au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Il promet même une grande tournée subsaharienne, sans préciser ni date, ni pays visité. Alors décidément, l'Afrique intéresse beaucoup, beaucoup de monde. En Chine, un forum des jeunes leaders a invité de nombreux pays africains. Le Forum des jeunes leaders de l'innovation et de l'entrepreneuriat en matière d'intelligence numérique Chine-Afrique 2022 démarre dans la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Des diplomates de plusieurs pays africains, dont la Tanzanie et le Sénégal, ainsi que des jeunes leaders et des représentants d'entreprises, ont participé au forum. L'événement a adopté un modèle en ligne et hors ligne, comprenant la construction d'infrastructures, le développement vert, la coopération commerciale et l'économie numérique, et a démontré de nouvelles voies pour développer la coopération Chine-Afrique à partir de multiples perspectives. Alors l'Afrique et la France. Une interview qui m'a vraiment bouleversé, c'est celle de ce membre des forces spéciales qui a été blessé grièvement. Il a été amputé des 2 jambes. C'était au Mali, il n'y a même pas 1 an. Je trouve cette interview exceptionnelle, car peu de médias se penchent sur le sort de nos jeunes soldats. Ce membre du premier RPIMA a été invité par le président de la République à aller à Doha assister
avec sa femme à la Coupe du Monde de football. Alors vous me direz, pas grand-chose, certes, mais croyez-moi sur parole, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Thibaut est donc avec nous ce matin, il est en direct de Bayonne. Thibaut, vous étiez membre des forces, vous êtes membre des forces spéciales, vous avez été grièvement blessé au Mali. Que s'est-il passé ? On a sauté sur un IED, donc avec un véhicule léger. Donc l'IED, c'est une mine artisanale qui avait été mise là. Voilà, c'est... On était quatre dans le véhicule, moi j'étais le plus grièvement blessé parce que l'IED a sauté sur quasiment sous mes jambes. J'ai eu le conducteur qui a eu l'épaule fracturée, l'omoplate, le chef de bord, donc mon chef de groupe qui a eu un bout de mollet arraché, et celui qui était à côté de moi, il a eu tout le côté gauche défiguré. Et vous-même, vous avez eu vous avez été atteint aux jambes. C'est ça, ouais. Donc moi j'ai été amputé sur le cou, donc j'ai été amputé au-dessus du genou à droite, donc amputation fémorale, et en dessous du genou à gauche, donc amputation tibiale. Moi je me rappelle pas de tout l'événement parce que j'étais complètement dans le chaos de tout ça. Moi je me rappelle juste de m'être réveillé en réanimation à l'hôpital de Percy. Vous disiez tout à l'heure en commençant notre entretien que vous êtes militaire. Que peu de gens feraient ce que vous faites, peu de gens ont ce courage, cet engagement. Et c'est vrai que les Français que nous sommes, bien confortablement assis dans nos studios de télévision, ne peuvent qu'avoir de l'admiration et de la gratitude pour ce que vous faites, parce que je le disais, vous le faites pour nous, pour l'idée que vous avez de la France, pour l'idée que vous avez de vous-même sans doute, et pour votre engagement. Le président de la République a eu un rapport, avec vous immédiatement. Il est venu à Percy, il vous a rencontré. Et est-ce que lorsqu'on est sur un lit de douleur comme le vôtre, pendant ces moments-là, est-ce que c'est important, primordial, de savoir qu'au plus haut niveau de l'État, le chef des armées est présent auprès de vous ? Bien sûr, on se sent un maximum soutenu. C'est vrai que des fois, quand on est simple, quand on est militaire en active et qu'on est en mission, etc., des fois, on a l'impression d'être juste un pion, on va dire, par rapport à toute la chaîne hiérarchique. Mais c'est vrai que depuis la blessure, j'ai vu toute cette famille qui s'est mise en place, on va dire, jusqu'à au plus haut avec le président de la République. C'est vrai que ça fait du bien, et pour moi et pour mon entourage aussi, qui a vécu ce traumatisme, de savoir qu'on est soutenu au plus haut niveau. Le cadeau qu'il m'a fait là, de pouvoir partir avec lui pour la demi-finale et pour la finale là, dimanche, c'est juste incroyable, quoi. Et vous étiez dans le vestiaire avec l'équipe de France. Vous étiez debout parce que vous êtes aujourd'hui équipé avec deux prothèses, ce qui vous permet d'être debout avec les joueurs de l'équipe de France. Comment vous avez vécu ce moment ? Ah, c'était incroyable, ça, que je ne m'attendais pas. Je savais qu'on devait aller faire un tour dans le vestiaire après le match, mais je me suis retrouvé debout là, et le président qui m'a fait venir devant tous les joueurs et qui m'a présenté, c'était vraiment un moment unique, on va dire. Je me rappelle après Didier et le président qui me prennent dans leurs bras et tout, c'était vraiment un moment incroyable, quoi. Et les joueurs qui étaient là, qui écoutaient et qui me fixaient tous, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Jacques Beau, que l'on connaît pour ses positions sur la guerre d'Ukraine, a écrit un bouquin sur le djihadisme. Les services de renseignement britanniques ont à plusieurs reprises averti le gouvernement britannique, avant la guerre en Irak, après la guerre en Irak d'ailleurs, avant la guerre en Syrie, avant la guerre en Libye, que plus on intervenait, plus on augmentait le risque d'avoir du terrorisme. Je ne suis pas un spécialiste en théologie, et encore moins en théologie islamique. En revanche, j'ai depuis longtemps été impliqué dans la lutte contre le terrorisme. J'étais chef du renseignement d'une cellule du gouvernement suisse pour les cas de terrorisme. Et je me suis aperçu à cette occasion que nous n'avions pas les instruments nécessaires
et suffisant même pour travailler sur la question du terrorisme. Et donc, il y a une réflexion à se faire sur la relation qu'il y a entre l'énergie que nous déployons à lutter contre le terrorisme et l'augmentation parallèle, voire l'effet multiplicateur sur le terrorisme. Le tout, c'est de comprendre qu'est-ce qui conduit des gens à tout d'un coup décider « ben, je vais me faire exploser ». Donc, justement, quel est le rôle des interventions occidentales dans la création du terrorisme djihadiste? Justement, c'est là l'élément central, parce que pour faire ce travail, j'ai donc repris toute la littérature djihadiste, mais vraiment toute. Je l'ai relue dans le détail, en évitant tous les partis pris, parce que c'est le parti pris qui nous conduit à ne pas comprendre les choses. J'ai constaté que le terrorisme djihadiste n'est pas, contrairement à une opinion qui s'est très largement développée en France, qui consiste à dire qu'il y aurait un complot islamiste mondial qui vise à évincer le christianisme, une sorte de grand remplacement version islamiste. Or, quand on lit la littérature djihadiste, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de cette idée d'une conspiration contre l'Occident, tout ça n'existe pas. Les contacts que j'ai eus moi-même dans le cadre de négociations où j'ai rencontré moi-même des djihadistes, je me suis aperçu qu'ils n'avaient rien ni contre notre liberté d'expression, ni notre liberté de presse, rien du tout. En revanche, ils sont animés par l'idée que le terrorisme peut contribuer à infléchir notre propension à intervenir dans leur pays. Alors, le cas Target va-t-il déboucher sur d'autres inculpations? Peut-être, oui. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où on en est avec Ursula von der Leyen. Alors là, no comment. On n'entend plus rien de ce côté-là. De nouvelles révélations dans le dossier qui agite le Parlement européen, à savoir des soupçons de corruption en lien avec le Qatar et sans doute avec le Maroc. 4 personnes sont inculpées et l'une d'elles, le compagnon de l'ex-vice-présidente du Parlement, est en train de tout déballer. C'est en tout cas ce que révèle le journal Le Soir qui s'est procuré le PV d'audition. Détail avec David Brichard et Fabrice Gérard. C'est sans doute le couple le plus glamour du Parlement européen qui se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. Elle, c'est Eva Kaili, eurodéputée grecque et ancienne présentatrice du journal télévisé. Lui, c'est Francesco Giorgi, assistant parlementaire italien installé à Bruxelles depuis 2009. Le week-end dernier, la police a perquisitionné leur domicile et retrouvé en cash une somme de 150 000 euros. Inculpés tous les deux de corruption et de blanchiment d'argent, Francesco Giorgi serait passé aux aveux. C'est ce que révèlent ces deux journalistes d'investigation qui ont pu consulter le PV d'audition. D'après ce qu'on déduit des documents qu'on a pu consulter, il se présente un petit peu comme le bras droit de M. Panzeri. Il dit qu'il désigne M. Panzeri, l'ancien eurodéputé italien, comme le chef présumé de cette organisation. Et lui dit « Moi, j'étais en charge de faire circuler l'argent liquide de l'organisation ». Parmi les révélations, il y a donc cet homme, Pier Antonio Panzeri. Ancien eurodéputé italien, il serait le cerveau de cette organisation criminelle utilisée par le Qatar et le Maroc pour influencer en leur faveur les décisions du Parlement européen. Il explique que de l'argent venait du Maroc d'une part, du Qatar de l'autre, que cet argent venait en Europe via M. Panzeri, donc qui reste présumé innocent. Là, je vous parle de la déclaration de M. Giorgi. Et puis que cet argent était redistribué d'une part des assistants et des députés, des eurodéputés amis, je pense que c'est l'expression qui est utilisée. Et ce n'est pas tout, les aveux de Francesco Giorgi éclaboussent aussi l'eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella. Marc Tarabella est un proche de Pier Antonio Panzeri et pourrait avoir touché de l'argent de celui-ci, ce qu'il nie fermement. Mesdames et messieurs les journalistes, je n'ai rien à me reprocher. Et donc je tiens évidemment à être très clair, j'ai expliqué toute une série de choses ici, et je ne ferai pas de déclaration parce qu'il y a une enquête en cours, une instruction, et si la justice m'appelle, je serai à sa disposition. Une chose est sûre, ce dossier de corruption présumée et d'ingérence au sein du Parlement européen n'en est qu'à ses débuts et risque de connaître encore de nombreux rebondissements.
au moment où SOS Méditerranée nous apprenait des problèmes de financement, voilà la mairie de Lille qui vient à la rescousse. Bonsoir à tous, Jérôme Pianaza, je suis adjoint au maire de la ville de Lille, aux côtés de Martine Aubry et en charge plus particulièrement des relations internationales et européennes de la ville. SOS Méditerranée, c'était pour nous une évidence. Martine Aubry, dès 2015, avait dit haut et fort, on ne peut pas laisser crever les gens aux portes de l'Europe. Et malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes encore dans une situation pour le moins dramatique. Alors nous avons évidemment suivi SOS Méditerranée dès le début, nous avons signé la charte en 2021, et nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer d'aider SOS Méditerranée, à la fois sur le plan financier, mais également en portant les appels de l'association. Et vous dire simplement que pour nous, au-delà de l'évidence et au-delà des drames qui sont quotidiens, et nous les avons encore vécus il y a quelques jours au large de la France et de l'Italie, c'est aussi une question d'humanité. Que souhaitons-nous comme humanité pour demain? Que souhaitons-nous pour nos générations futures? Il faut aider ces gens, il faut les accueillir dignement. Voilà clairement notre engagement. Rejoignez la plateforme et faites des dons pour SOS Méditerranée. Macron. Jean-Bernard Lévy, ancien directeur d'EDF, remercié d'ailleurs par Emmanuel Macron, témoigné à l'Assemblée nationale après ses prédécesseurs, dont M. Proglio. Voilà, rebonsoir. Je tiens à accueillir maintenant M. Jean-Bernard Lévy, dont le mandat de président d'Électricité de France vient tout juste de se terminer. Et je tiens à le remercier d'avoir accepté de venir devant notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Nous avons avant vous, Monsieur Lévy, eu l'honneur d'auditionner Monsieur Gadonex et Proglio qui vous ont précédé dans le même format d'audition. Vous avez présidé après eux EDF pendant 8 années au cours de 2 mandats successifs de 2014 jusqu'au mois dernier. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Peu de retour en arrière. Comme vous le savez, grâce au succès du programme électronucléaire, la France a pu engager dès les années 80 la décarbonation de son bouquet énergétique, notamment grâce au rôle joué par l'électricité dans le chauffage des bâtiments, qui sont plus souvent chauffés à l'électricité en France que dans les pays comparables. Et de fait, le poids de l'électricité dans la consommation de l'énergie, la consommation totale de l'énergie, est un peu plus élevée en France qu'il ne l'est en moyenne dans les pays voisins. Cela nous donne, sur tous nos voisins, un net avantage en matière de décarbonation. Néanmoins, les énergies d'origine fossile en France, celles qui produisent beaucoup de dioxyde de carbone, elles restent largement majoritaires dans la consommation d'énergie globale de notre pays. Et chacun sait que notre territoire ne recèle guère de gisements en la matière dès lors que la loi française interdit d'aller ne serait-ce que regarder si des pétroles ou des gaz de schiste pourraient être exploités en France dans des conditions attrayantes. On pourrait dire qu'il est paradoxal que suite à la guerre déclenchée par la Russie sur le territoire ukrainien, nous nous mettions à importer massivement et durablement du gaz américain en provenance de formations géologiques que nous nous interdisons d'explorer et a fortiori d'exploiter en France. Je vais peut-être un peu loin, je vais m'arrêter là sur ce sujet, qui est quand même, à mes yeux, le signal d'une perte d'opportunité en matière de souveraineté et d'indépendance énergétique. Je vais donc revenir à l'électricité, qui est depuis plus de 40 ans un atout indéniable pour notre pays et pour notre bilan carbone, en grande partie grâce à notre parc hydroélectrique, mais aussi, bien sûr, grâce à notre parc nucléaire. L'électricité bas carbone française, ainsi produite sur notre sol, apporte au pays un approvisionnement sûr et souverain. Il apporte de l'activité grâce aux emplois industriels qui en découlent. Il apporte des recettes commerciales grâce aux exportations que nous pouvons engranger. Et puis il apporte un potentiel de compétitivité, car le prix de notre électricité devrait être largement à l'abri des soubresauts des prix des marchés des matières premières, on le sait. Tel n'est pas le cas, on y reviendra si vous le souhaitez. Quand j'arrive chez EDF, c'est fin 2014, quelle n'est pas ma surprise de prendre conscience des implications de la loi NOM, la loi du 7 décembre 2010, qui institue un mécanisme, l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un mécanisme pernicieux qui va croissant sur l'endettement d'EDF au rythme d'environ 3 à 4 milliards d'euros chaque année.
Et lorsque le prix de gros tombe sous les 42 euros, comme fin 2015 et en 2016, nous voyons naturellement les opérateurs concurrents d'EDF dédaigner tout achat à l'AREN pour acheter sur le marché à un prix inférieur. Et en cela, EDF est en somme une deuxième fois victime de l'AREN, puisque ce mécanisme revient à donner une option gratuite aux concurrents d'EDF, dont bien évidemment, ces concurrents font usage quand l'opportunité se présente. Cette caractéristique tout à fait étonnante est décrite par le mot « asymétrie ». EDF se retrouve donc en 2016 et 2017 avec des recettes très inférieures, puisque le prix de gros du mégawattheure tombe à 30 euros, et même par moment sous les 30 euros jusqu'à 26 euros. Ce manque à gagner contraint EDF à un plan de restructuration sévère, qui est de fait imposé par les agences de notation qui dégradent à 3 reprises la dette d'EDF. Ce plan a été approuvé et rendu public en avril 2016. Il comprenait un ensemble important de cessions d'actifs, une trajectoire d'économie sur les coûts de fonctionnement et une concentration des investissements d'EDF sur les activités bas carbone, déjà. Ces 3 aspects, ces 3 volets du plan ont été mis en œuvre par EDF conformément aux objectifs d'origine. Le plan a été préparé et réalisé avec un soutien remarquable du ministère de l'Économie et des Pouvoirs publics en général, car l'État, pour la première fois, renonce aux dividendes d'EDF payés cash. L'État ignore que cela va durer pendant des années. Et l'État souscrit de plus à hauteur de 3 milliards d'euros à une augmentation de capital, 4 milliards d'euros au total, qui sera mise en place tout début 2017. Je voudrais souligner que c'est la première fois depuis longtemps, peut-être même depuis la création d'EDF en 1946, c'est la première fois que le contribuable vient sortir l'entreprise nationale d'une situation créée par une mauvaise loi. Car il faut rappeler que le parc de production d'EDF, ainsi que les réseaux d'Enedis et de RTE, ont été intégralement financés par l'entreprise et donc de fait par ses clients, mais pas par les contribuables, donc pas par l'État. Il est vrai que l'établissement public EDF, jusqu'au début des années 2000, bénéficiait de la garantie de l'État et empruntait à moindre coût. C'était avant la mise en œuvre des directives européennes d'ouverture des marchés de l'énergie. Mais enfin, je le dis, c'est la première fois, et c'est 5 ans après l'instauration de l'AREN, que le contribuable vient secourir EDF. La 3e raison qui pénalise EDF au titre de l'AREN, c'est le simple fait que les concurrents d'EDF n'ont plus à se préoccuper d'investissements physiques en matière de production d'électricité. Je mets de côté les renouvelables qui font l'objet de prix garantis. Il suffit à ces opérateurs alternatifs d'acheter de l'électricité au guichet de l'AREN. Ils ne prennent aucun risque d'investisseur, aucun risque d'exploitant. Tous les risques sont portés par EDF. Des concurrents d'EDF, l'AREN fait des rentiers. Et quand ces concurrents se trompent sur le besoin, leur besoin, ça a été le cas en 2022, ils suspendent leurs offres commerciales, ils cessent de proposer leurs services, certains même déposent le bilan, et les risques sont à nouveau transférés sur EDF, une manœuvre qui, sur 2022 et 2023, aura coûté plusieurs milliards d'euros à EDF. Bien évidemment, et comme toute partie prenante au système électrique, EDF partage ses analyses et tente de faire prévaloir son point de vue auprès des décideurs politiques et des régulateurs, à Paris comme à Bruxelles. Chaque fois que l'État ou le régulateur met des projets de cette nature en consultation, EDF produit et rend public une contribution détaillée, établie sur des bases rationnelles. Bien évidemment, EDF s'attend à ce que l'État respecte les lois et règlements qu'il a lui-même fait voter ou qu'il a établis, et en tant que personne morale, EDF peut demander aux tribunaux de juger s'il y a préjudice du fait d'une application contestable et contestée des textes. Bien évidemment, avec les marges de manœuvre qui sont les siennes, la direction générale d'EDF tente de négocier les meilleures conditions d'application de ces textes, afin de préserver l'intérêt social de l'entreprise et de ses actionnaires, notamment les actionnaires minoritaires. La situation actuelle démontre une tension inattendue sur la sécurité d'approvisionnement, une tension inattendue sur les prix depuis de nombreux mois, et des retards, là on parle d'années, des retards peu explicables dans les engagements climatiques pris par notre pays. Et la contestation est générale. Qui ne conteste telle ou telle décision prise il y a 2 ans, prise il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans?
À mes yeux, le moment est venu de la clarification des objectifs énergétiques que la collectivité nationale se donne sur le long terme et pas seulement sur une période de 5 ans. Cette clarification, je souhaiterais qu'elle soit basée sur les faits, dans un domaine où fleurissent les fake news, qu'elle soit basée sur des objectifs programmatiques précis sur le long terme, car les infrastructures énergétiques ne se construisent pas sans une approche de long terme et sans ténacité. Or, nous avons aujourd'hui la chance de disposer pour la planète d'une feuille de route pour les 30 années qui viennent, c'est l'accord de Paris. Nous avons l'engagement de notre propre pays d'atteindre la neutralité carbone en 2050, et puis en toute modestie, nous avons aussi la raison d'être d'EDF, qui vise à concilier préservation de la planète, bien-être et développement. Et justement parce que nous sommes en crise aujourd'hui en France et en Europe, je crois que les conditions peuvent être remplies pour changer dès maintenant le mode de fonctionnement trop incertain de notre planification. Je formule le vœu que l'on puisse revenir au programme de long terme, ceux qui ont permis l'électrification dans les années 50, l'accompagnement des 30 glorieuses jusqu'aux années 70 et le choix stratégique du nucléaire, un choix constant des années 60 jusqu'à la fin des années 80, avec l'accélération qui avait été induite par la crise pétrolière de 1973. La violence de notre société devient de plus en plus présente. Pourquoi ? Pourquoi donc cette violence ? André Berkoff nous explique ça. Attendez. À votre avis, cette espèce d'imbrication d'ailleurs du sport, de l'équipe, France, Maroc, etc. et tous les restes, ça traduit quoi aujourd'hui dans la température mentale française ? Je pense que ça traduit des formes d'incivisme qui s'accentuent d'année en année. On a par exemple à chaque fête de la musique des comportements qui sont de plus en plus difficiles. Et puis on peut avoir qu'une pensée pour ce jeune de 14 ans à Montpellier qui a été fauché par une voiture et qui est mort. Je veux dire, il y a maintenant une sorte de happening qui n'a pas de sens parce que ça détourne l'idée de la fête et quand en plus se rajoutent des comportements, je dirais, qui sont complètement idiots pour les personnes elles-mêmes et pour ce qu'elles peuvent représenter, comme ce qu'on a pu voir lors du premier match avec le Maroc, au moment de sa qualification, qu'on a vu en Belgique ou aux Pays-Bas, eh bien, on s'interroge. Je pense qu'en plus, il y a une forme de dépolitisation, puisque ces jeunes, qui sont une minorité, comme vous l'avez dit, ne comprennent pas que leur geste ou leur attitude peut avoir des conséquences politiques dommageables pour tout le monde, et en particulier pour eux. Alors justement, qu'est-ce qui fait, et vous l'avez souligné, dit Eleski, au début de vos paroles, qu'est-ce qui fait que ça s'aggrave comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus, il y a toujours eu de la violence, mais là on sent une violence sans limite, une violence, je ne sais pas si c'est l'impunité ou autre chose, en disant, allez, on peut tout se permettre, on a cité, là aussi c'était une poignée de gens, enfin qui insultaient la France d'une manière incroyable, ils disent, on est ici pour la CAF, on est ici chez nous, et puis on va voir, etc. Et des gens qui disent, ça y est, c'est la reconquête, etc. Enfin, on entend tout et le contraire de tout, mais c'est l'auberge espagnole du fantasme, mais sans limite, et aussi, malheureusement, du passage à l'acte, quelquefois. Qu'est-ce qui fait cette aggravation, quoi ? D'abord, cette aggravation, on la sent dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire une montée des violences interpersonnelles, une sorte d'un tissu social qui est complètement friable et où il n'y a plus d'encadrement, je dirais, des personnes. On a pu le voir dans certaines manifestations. L'ancien préfet de police, par exemple, Didier Lallement, l'avait souvent souligné au moment des manifestations. Mais je crois que, en plus, se rajoutent des formes de ressentiment vis-à-vis de la France, par exemple, comme on a pu l'entendre. Dans le qui s'aggrave, c'est-à-dire on l'entend de plus en plus. Dont le fondement est parfois étrange et qui n'était pas celui qui pouvait animer, par exemple, les parents ou les grands-parents de ces jeunes qui ont pu venir. Et ça tient à quoi, ça, justement ?
Je pense que ça tient aussi à une méconnaissance de l'histoire et en particulier, on pourrait y rajouter au fait que il y a même plus d'analyse de pourquoi, par exemple, aujourd'hui en Méditerranée du côté de l'Espagne, les premières nationalités qui traversent la Méditerranée, ce sont des Algériens et des Marocains. Hein, c'est bien parce que il y a un problème dans ces deux pays et il faudrait rajouter, et c'est peut-être un des enjeux du débat public, c'est que beaucoup de ces jeunes qui aujourd'hui ont un comportement agressif verbalement et parfois physiquement vis-à-vis des institutions et des propos contre la France en général, eh bien, vivraient très mal s'ils étaient amenés à être dans les pays dont ils sont originaires, même s'ils peuvent être français. Et c'est ça la difficulté du débat, je veux dire, la méconnaissance de d'où on vient historiquement. Et où on va et qu'est-ce qu'on va faire avec le pays d'accueil. Et pourquoi il est important d'avoir une attitude positive dans le pays d'accueil, parce que sinon on peut rien construire avec lui et on se dégrade en même temps qu'on dégrade des bâtiments et on dégrade verbalement le pays d'accueil. Je crois que c'est ça. Et malheureusement, c'est une minorité, mais cette minorité, par son attitude, eh bien, elle entache le visage de l'ensemble de d'une immigration qui, elle, a contribué à participer de l'effort collectif et elle en a bénéficié autant que nous-mêmes collectivement nous en avons bénéficié. Et là, il y a quelque chose qui est tragique et pour moi est une forme de dépolitisation profonde. Oui, parce que ne pas comprendre ce qu'on fait et l'impact que ça peut avoir, c'est une forme de dépolitisation. Alors, en cette semaine, nous allons tous, j'espère, ou la plupart, nous allons donc profiter de ces instants avec notre famille, nos enfants et petits-enfants peut-être. Alors, que vous conseillez comme lecture aujourd'hui? Alors, il y avait Marianne, sur la retraite des Français, et également un autre article qui est pas mal du tout. Macron se prend-il pour Louis XIV? Et puis, je vous recommande un bulletin que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'œuvre d'Orient. Et dans ce bulletin, ce mois-ci, il y a tout un dossier sur les chrétiens syriens. 10 ans de guerre. Très, très intéressant dossier. Je vous le recommande vraiment. À partir de jeudi prochain, je ne mettrai plus de revue de presse en ligne jusqu'au 27. Et d'autre part, je vous souhaite évidemment un bon Noël. À très bientôt. Au revoir.